Encore un départ à l'infirmerie dans Koh-Lanta, le feu sacré. Après une grosse douleur au ventre, Clémence a dû suivre le médecin du jeu de TF1. De quoi faire craindre le pire aux téléspectateurs et aux internautes. Si est-il hécatombe sur Koh-Lanta, le feu sacré. Après l'abandon volontaire de Benjamin la semaine dernière, épuisé et blessé après un accident de plongée, Martin Sest ce mardi 28 mars fait mal à la cheville. Et ce n'est pas tout puisque Clémence a, de son côté, contacté le médecin du jeu de TF1 suite à une grosse douleur au ventre. La jeune femme de 27 ans, raccordeuse en fibre optique en Charente-Maritime est en effet apparue bien mal en point, se touchant une zone située au-dessus du nombril. Il y a quelques épisodes, l'aventurière avait déjà craqué à cause de la fatigue. Koh-Lanta, le feu sacré, Clémence malade, elle part à l'infirmerie. Je n'ai pas l'impression de savourer à fond à cause de la fatigue. Je n'ai jamais ressenti ça. Dès que je marche, dès que je me lève, si est-il tout noir. Je m'assois et ça repart. Il ne faut surtout pas que les autres le voient. On n'a pas le droit d'être faible à Koh-Lanta, si est-il impossible confiait Clémence en larmes, épuisée. Face à ce nouveau coup dur, l'aventurière a l'histoire personnelle bouleversante. En août 2012, sa sœur Pauline, alors âgée de 27 ans, a été assassinée. Elle était enceinte de plusieurs mois et mère d'une fillette de 7 ans, a donc rapidement contacté le médecin par talkie-walkie. Une fois sur place, ce dernier a préféré emmener Clémence avec lui à la clinique. Il faut dire que le protocole mis en place par la production pour veiller à la sécurité des candidats est drastique. Koh-Lanta, le feu sacré, les internautes craignent un nouvel abandon. Rapidement, les téléspectateurs de Koh-Lanta, le feu sacré et les internautes ont craint un nouvel abandon, médical cette fois. Si Clémence ne revenait pas en jeu, si est-il Rudy, le dernier éliminé au conseil, qui ferait son grand retour. Nul doute qu'un tel fait de jeu créerait l'émoi tant le départ de l'aventurier a été largement salué mardi dernier sur Twitter. L'épisode de ce 28 mars ne fait toutefois que commencer. En attendant, Télé Loisirs vous propose de découvrir quelques réactions suite au départ de Clémence pour l'infirmerie. Ils vont faire venir tous les éliminés, ça sent pas bon cette histoire, entre Maxime et Clémence qui vont mal, ça sent le retour de Rudy, Rudy qui aura le choix entre les jaunes et les rouges, à ce rythme, avec tous ces abandons qui se profilent, on va voir venir Emine, ont analysé les twittos. J'espère c'est rien de grave pour Clémence hashtag Koh-Lanta, 700 secondes, États-Unis, avoir la tête qui tourne, Born Pink Era, cœur qui grandit, jsosologie3@gmz-7 secondes, March 28, 2023 PTN tout le monde a mal dans cet épisode. Hashtag Koh-Lanta, nat@n4tan, March 28, 2023 hashtag Koh-Lanta je sens que Rudy va remplacer Martin chez les jaunes. Et il va retrouver Tania, groseille@groseille16, March 28, 2023 ils vont faire venir tous les éliminés, visage qui pleure, hashtag Koh-Lanta, Denis MS5 joule moins 17, licorne, pingouin, tortue, @denis10103, March 28, 2023 hashtag Koh-Lanta on a Martin qui a mal aux chevilles et Clémence qui a mal au ventre donc ça veut dire qu'on aura le retour de Rudy. De la Vega @delvega12, March 28, 2023 ça sent pas bon cette histoire, entre Maxime et Clémence qui sont en mode, ambulance, ça sent le retour de Rudy.
lieu, hashtag Koh-Lanta, Wilfried, disque optique, écouteurs, volume élevé, notes de musique, radio, @ Julie Papi, March 28, 2023 et en plus Clémence a mal au ventre. C'est sur Rudy revient hashtag Koh-Lanta, @GoldCréole, March 28, 2023 un retour de Rudy ce serait marrant à voir hashtag Koh-Lanta, Jodilee @Jodi-Bali, March 28, 2023 je veux pas que Rudy revienne hashtag Koh-Lanta, @Ayamawa, March 28, 2023 à la limite si Rudy doit vraiment revenir je préfère encore que ce soit chez les Rouges. J'aime bien Clémence et je la préfère même à Martin mais je veux pas qu'il vienne foutre la zizanie chez les jaunes hashtag Koh-Lanta, Ophélie, Costa Rica, @BreakLeSunight, March 28, 2023 par Rudy Pitié hashtag Koh-Lanta, Taina @MetiDoll, March 28, 2023 Rudy va revenir PTN hashtag Koh-Lanta, Max @Maximus18, March 28. 2023 pas le retour de Rudy Nonon hashtag Koh-Lanta, Soro @Zara-Baba, March 28, 2023 le corps à Rudy épreuve hashtag Koh-Lanta, Laurine @Laurine272, March 28, 2023 ah non, pas le retour de Rudy, Clémence tient le coup pitié, hashtag Koh-Lanta, Jen-Baz@Coin-Bacoin89, March 28, 2023 Rudy qui aura le choix entre les jaunes et les rouges dièse Koh-Lanta, whatyougonado @amorino-bazani, March 28, 2023 à lire aussi abandon de Benjamin, Koh-Lanta 2023, ce petit détail qui a beaucoup handicapé l'aventurier.